Nous sommes avec Patrick Borg. Patrick Borg, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Ah ben, tu viens de le faire, Patrick Borg. Ah, parfait. Qu'est-ce que vous avez fait ? Je suis plombier zingueur dans la vie. Pourquoi tu... Parce qu'apparemment, vous avez fait la voix de Sangoku. On t'a dit ça ? C'est ce qu'on m'a dit, ouais. Ah bon, je suis curieux. Mais c'est peut-être vrai, alors. Vous pouvez me montrer ? Oui, alors je fais la voix de Sangoku et je suis aussi la voix de Boubou, l'espèce de gros malabar tout rose. Donc vous faites du doublage. Est-ce que c'est un exercice compliqué ? Un exercice compliqué, c'est un exercice qui fait partie du travail de comédien, au même titre que de faire, pour tout ce qui est voix, de la radio, de la publicité, du commentaire, des voix off. Voilà, c'est une des branches de notre métier. Justement, est-ce qu'il y a une différence entre être comédien et faire du doublage ? Non, c'est toujours un comédien, de toute façon, pour faire du doublage. Lorsqu'on a un grand acteur à doubler, si on veut doubler De Niro, être la voix française de De Niro, mieux vaut savoir plutôt bien jouer la comédie. Mais c'est pas justement encore plus compliqué de doubler ? Bah, la différence de doubler, c'est-à-dire lorsque l'on tourne, bien évidemment, ça va être avec nos propres émotions. Là, on doit mettre nos émotions au service de l'émotion de quelqu'un qui a tourné. C'est-à-dire qu'on doit s'oublier complètement et essayer de restituer, de retrouver l'émotion du comédien qui est à l'image. C'est-à-dire qu'un bon doublage, faut pas que ça se voie, faut pas que ça s'entende. C'est-à-dire, c'est respirer comme lui, c'est parler au même rythme que lui. Voilà, qu'on a véritablement l'impression que c'est lui qui parle. Donc il va y avoir d'abord tout le travail très important de l'auteur, adaptateur, parce que lui va écrire avec ce que l'on appelle les labiales, les P, les B, les M, qui se voient, à l'image. Donc il va avoir cette difficulté non seulement de traduire, donc d'adapter un texte, puisque la langue française est différente et on n'a pas toujours des équivalences, donc c'est une véritable adaptation. C'est un travail d'auteur qui va donc écrire ce texte et nous, ensuite, une fois que ce texte a été écrit, il va être projeté sur ce que l'on appelle une bande rythmo, donc où les phrases défilent. Et on a l'image également et on va essayer donc au mieux de restituer ce que l'acteur fait à l'image. Comment vous vous êtes retrouvé à doubler Sangoku ? Par le plus grand des hasards, comme à chaque fois, il y a un jour un directeur artistique qui vous appelle et qui vous dit « Tiens, voilà, j'ai ça à faire ». Bon, là, en l'occurrence, il y avait des essais, comme à chaque fois, sur des séries. Alors, c'est soit les directeurs artistiques qui décident, ou les chaînes, ou les distributeurs qui vont dire « Tiens, nous aimerions bien, sur ces essais, entendre un tel et un tel ». Et puis voilà, et puis bon, c'est tombé cette fois-ci, c'est tombé sur moi, d'autres fois ça tombe sur des copains, tous les copains qui l'ont fait, lorsque des jeunes me disent « Ouais, mais t'es la voix de Sangoku, t'es une voix mythique et tout », je dis « Mais c'est parce que je suis la voix de votre enfance, vous êtes habitué à cette voix, ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été la même chose, vous auriez aimé ce quelqu'un d'autre. » Donc, vous avez fait du doublage pour des dessins animés, mais aussi des séries. Est-ce que les séries sont-elles plus dures à doubler que le dessin animé ? Non, c'est complètement autre chose. C'est-à-dire qu'un comédien, eh bien, comme je le disais précédemment, on se doit de le suivre, de regarder son œil. L'émotion du jeu sort de l'œil du comédien, non pas dans la façon dont il remue ses lèvres. Ça, c'est le côté mécanique pour que ce soit synchrone. Le dessin animé, c'est différent. Il y a un petit côté amusant parce que le dessin animé, il y a une grande liberté. C'est-à-dire qu'on peut s'amuser, se déplacer. Prendre des voix, alors tout dépend après les désirs du client, mais trouver des voix peut-être un peu rigolotes, et voilà, c'est amusant, c'est toujours amusant. Le dessin animé est toujours, enfin Dragon Ball Z c'est différent, ce sont des personnages humains entre guillemets quelque part. Quand on double, je ne sais pas, qu'on se retrouve à être la voix d'un crapaud, ça me fait sourire de temps en temps de dire des gens « Ah ben non, un crapaud, ça peut pas parler comme ça. » Je disais « T'as déjà entendu un crapaud parler ?» Arrêtez de dire des âneries, c'est-à-dire qu'un crapaud, ça peut parler de n'importe quelle façon. Et il y a qu'à voir tous ces vieux dessins animés américains qui étaient remarquablement doublés par quelques vieux copains, dont la plupart, malheureusement, ne sont plus là. Je pense à des gens comme Guy Pierrot, par exemple, sur Bugs Bunny, qui avait cette voix comme ça, un petit peu, déjà naturellement, cette voix un petit peu du nez, Guy Pierrot, et qui a apporté ce truc assez extraordinaire, et qui, pour manger sa carotte et faire le bruit de la carotte à l'époque, croquait un morceau de sucre.
voilà, devant le micro pour donner l'impression que c'était une carotte et ça faisait un bruit très fort. Donc voilà, c'est l'époque où j'ai commencé d'ailleurs. J'ai commencé le doublage avec tous ces gens-là en 67, quoi. C'est vraiment ces gens-là qui m'ont enseigné le doublage. Et quel personnage avez-vous préféré doubler ? Alors là, on me pose toujours cette question. Il y en a plusieurs, il y en a plein, il y en a plein. J'ai aimé doubler, comment s'appelait-il, Reeves dans Smallville, parce que là, il y a un côté de voir cet acteur qui était Superman, ce grand garçon bâti, et de le voir ensuite tétraplégique dans une chaise roulante, de continuer à jouer, je crois parce que tout simplement, bon, voilà, c'est sa passion, c'est vital, il va jusqu'au bout. Et là, c'était très très touchant de doubler cet être comme ça, qui était quand même très affaibli, très de... Et c'était très très fort parce que je l'ai accompagné dans cette série jusqu'au bout. Et un jour, bon, j'apprends qu'il est décédé, il y a presque un côté libération, parce que quelle souffrance que de vivre sans ne plus vivre véritablement. Mais... voilà, il y a eu des gens comme ça qui m'ont beaucoup touché. Après, il y en a eu plein d'autres. Je sais pas, il y en a plein. Il y en a pas qu'un. C'est la façon dont les gens vont interpréter les choses, la sensibilité qu'ils vont avoir. C'est surtout ça qui va me toucher chez un comédien. Que ce soit, peu importe le rôle qu'il ait à jouer, que ce soit un rôle où c'est le dernier des salopards. C'est d'ailleurs beaucoup plus amusant de jouer, je vais dire n'importe quoi, une horreur absolue, le rôle d'un pédophile complètement pervers et complètement machiavélique et fou, plutôt que de jouer un avocat voilà, qui fait des tirades et sa plaidoirie dans un tribunal. Mais pourquoi ? Ben parce qu'un personnage complètement barge est plus intéressant, il y a beaucoup plus de choses à jouer. Les héros, en général, sont plutôt fades. Les seconds rôles sont toujours... Le rôle du tueur, par exemple, est toujours plus intéressant. Et vous avez des projets maintenant ? Vous faites toujours du doublage ? Oui, oui, bien sûr, oui, toujours. Mais c'est-à-dire les projets... Alors, je continue, bien évidemment, la série Bones. Il devrait y avoir deux séries de Dragon Ball Z qui devraient reprendre d'ici quelques temps. Je ne sais pas quand encore exactement. Et puis après, c'est... voilà, les projets peuvent arriver sur mon téléphone aujourd'hui, demain matin, de me dire « Tiens, Patrick, est-ce que tu serais libre ? Il y a une série, là, on voudrait que tu passes des essais. » Ou « Tiens, est-ce que tu es libre tel jour ? On a pensé à toi pour ce rôle. » Donc les projets sont au fur et à mesure des jours qui passent. Ça, ce n'est pas moi le décideur. Les gens pensent à moi ou pas. Pour terminer, est-ce que vous pouvez dire un mot à la caméra avec la voix de Sangoku ? La voix de Sangoku, c'est la mienne, sauf qu'elle a vieilli, parce que Sangoku, c'était il y a, je crois, si je ne me trompe pas, à peu près 27 ans. Donc j'avais 27 ans de moins, donc je devais avoir une voix comme ça un petit peu plus légère. D'ailleurs, c'est ce que j'essaie de faire quand je reprends maintenant, sauf que dès qu'il se met à hurler, et Sangoku hurle quand même la plupart du temps, si j'essaie de hurler comme ça, ben, au bout d'un moment, je vais parler faux, puis je vais me péter la voix en fin de journée, surtout que le nombre de fois où il hurle « Kamehameha !» il faut y aller un petit peu, enfin voilà, c'est pas un personnage spécialement reposant à doubler. Il est pas assis dans un rocking chair, voilà, il est plutôt, c'est quand même plutôt un garçon plein d'énergie, toujours prêt à combattre, voilà. Vous pouvez quand même nous faire une phrase avec sa voix ? Ben, une phrase avec sa voix, le problème, quelle phrase ? Alors souvent les gens me disent « Mais tu ne te souviens pas d'une phrase ?»« Oh, Kamehameha, alors on peut faire un Kamehameha. Vous êtes prêts ?» Kamehameha! Et voilà, ben ça y est, j'ai désintégré le technicien qui était face à moi. Voilà, il est plus là, c'est foutu. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. Merci. Merci à vous deux.